censé orienter ses équipiers. Le tir, brossé, une bonne parade de Prodhomme. C'est Giovanni qui tire devant Michel Prodhomme. Et il trompe Prodhomme, Prodhomme est pas dit. C'était bien joué. Coup de coin. Une balle qui revient vers Taffarel. Et c'est le premier but. Enfin. Et Tibor Bougon. Rivaldo, goal! Kleberson, Ronaldo, goal! 2-0! Il s'est fait bousculer fautivement par Grün. Coup franc que va donner sans doute Giovanni ou alors le spécialiste Neto. Michel Prodhomme organise son mur, comme on dit en jargon footballistique. C'est-à-dire qu'il faut que les joueurs ne le gênent pas. Regardez ce Demol qui est censé orienter ses équipiers. Le tir, brossé, une bonne parade, ce Prodhomme est dans le... Voilà le but. Ah oui, un but brésilien sur ce tir puissant. Tir puissant, bien cadré. C'est Neto, semble-t-il. Je n'ai pas vu qui avait tiré. Ou c'est Giovanni. Nous allons voir. Je l'espère, ce tir, c'est Giovanni. Le tir, oui. C'est finalement Giovanni qui a tiré. Le ballon, je pense, a heurté le mur. A heurté un joueur. Très difficile à dire d'ici. Le but à Giovanni, donc. Très difficile, même avec les images que nous avons revues. Sur Giampolo, les Belges ne réclament pas, ils acceptent la décision de l'arbitre. Nous revoyons l'accrochage, oui, évidemment, dans le rectangle. Et c'est donc un pénalty. Pénalty alors que l'on joue depuis 32 minutes. Une occasion pour Giovanni, celui qui va tirer, semble-t-il, de doubler le score, lui qui a déjà marqué le premier but tout à l'heure. C'est Giovanni qui tire devant Michel Prodhomme. Et il trompe Prodhomme. Prodhomme est parti sur la droite. Le tir, sans beaucoup de puissance, est venu à la gauche de Michel Prodhomme. Et c'est 2-0. Deux buts de Giovanni. Revoyons le tir. Il n'a pas tiré fort, mais le ballon était bien placé. Taffarel, une fois encore, est à la bonne place et il détourne. C'était bien joué. Coup de coin. Une balle qui revient vers Taffarel. Il s'est fait ses buts. Enfin le but, cette tête de Gleiser. Gleiser s'était monté, une tête classique au deuxième poteau et il réduit l'écart alors que l'on joue maintenant depuis 19 minutes en deuxième période. Un but donc à l'actif de Gleiser. Sur ce coup de coin, un but mérité. Il faut bien dire que depuis un petit temps, les Belges inquiétaient les défenseurs brésiliens et en l'occurrence Taffarel. Et Taffarel s'est même blessé là en intervenant. Voilà, il est tout à fait seul. Erreur de marquage évidente de la part des défenseurs brésiliens. Mais nous en...